My baby doll, my baby doll, my baby doll. She's a girl in red, blue jeans, and she's a queen, the whole team. She's a woman, well I know, and she's a woman can love me so. Hey, be my blue, she's my baby. Well, that I know. She's a woman gets more, more, more. Be my blue, she's my baby. Be my blue, I don't need a baby. Be my blue, she's my baby. Et là, Eddie, et là, la bande de la Trinité ou la bande de Belleville, ça devait être très très fort, non? C'est comme ça que vous êtes connu? Nous, c'était plutôt le Golfo, nous. Oui, mais enfin, bon, ça rôdait aussi du côté de la Trinité. Du côté de la Trinité, oui. Tu habitais à côté, d'ailleurs. Avec l'Ancry, c'est voilà. Tout ça, oui. Le Golfe de Rose, c'était Henri Leproux qui avait monté ça, hein? C'était une... Henri Leproux, oui. C'était un truc extraordinaire. Ben, c'est-à-dire que c'était le seul endroit où, à l'époque, on pouvait... avoir les premiers disques de rock'n'roll. Et c'était une musique qui n'était pas toute très connue en France à cette époque-là. On était comme ça un groupe. Et c'est le seul endroit qui était ouvert le samedi et le dimanche. Pourquoi ça s'appelait le Golf Draw? Il y avait un mini-golf, là? Parce que avant qu'on sévisse là-dedans et qu'il se passe des choses
dont on ne parlera pas ce soir. Oui, oui. Non, je veux dire, avant, c'était un réel mini-golf avec un petit parcours. Et donc, des extraterrestres comme Johnny, moi et d'autres sont arrivés là-dedans et ont tout, je veux dire, tout fait basculer, puisque bon, c'est vrai que la clientèle n'était pas adolescente à l'époque. Et vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu Johnny? Oh. La première fois. En tant que chanteur? Non, en tant que personne. Après, il n'était pas tout le temps chanteur. Non, parce que non, je veux dire, comme Johnny chantait réellement, je veux dire avant moi, quand je dis réellement, c'est-à-dire que Johnny chantait dans des cabarets, chantait dans des. La première fois où vous êtes parlé. Ah, où on s'est parlé, on s'est pas dit des choses très agréables, si je m'en souviens bien. Alors, c'est-à-dire que, oui, enfin, on se connaissait un peu au Globetrot, mais on faisait pas partie de la même bande. Il y avait deux bandes, il y avait la bande des petits et la bande des plus grands. C'est-à-dire, les plus grands, c'est ceux qui avaient 6 mois de plus, quoi. Puis on s'est rencontrés un jour comme ça dans une boom. Et puis moi, à l'époque, j'avais gaulé quelques disques de Bill Haley que j'aimais bien, et puis il s'en est aperçu, et ça s'est... Dean Vincent, ça s'est mal passé, ça veut dire. Mais les Dean Vincent, non. Vous chantiez en français ou vous chantiez en américain au Globetrot? En anglais. Lui, okay. Chantait en anglais, bah, déjà. J'étais obligé de chanter en anglais parce que je faisais les chansons d'Elvis Presley, et toi, à cette époque-là. Et on commençait quand même à les traduire, déjà. Oui, mais moi, je chantais en yaourt. En yaourt. Et moi, on m'embrasse pas. Ça, c'est une chanson. Pourquoi? Parce que... Je suis pas désolé du tout, en fait. J'étais vachement content de la chanter, la chanson. Parce que c'est vrai que... Bah, tu t'es gouré d'émission, t'es désolé ou quoi? Oui. Non, je suis désolé. Dit, tu... Non. Non, mais je suis pas désolé du tout, mais c'est vrai que c'est difficile de chanter la chanson devant vous, quoi. Je te l'avais fait écouter à toi. Ouais. Toi, je t'ai envoyé le disque, et toi, je te l'avais fait écouter aussi. Donc, vous saviez à quoi vous pouviez vous attendre. Et en direct. Ouais. Philippe, vous les connaissez depuis combien de temps, l'un et l'autre? Alors, je les connais mieux depuis, une bonne dizaine d'années, pour Eddie, un peu plus récemment pour Johnny. Et on se voit pas mal quand on est en vacances. Nous prenons. Et surtout que Philippe connaissait mon fils avant moi, je crois. C'est ça? Non, enfin oui, je connais ton fils très bien. Mais ça veut dire quoi? Je comprends bien. En fait, cette émission prend un tour terrible. C'est peut-être pas le divan, mais ça m'a l'air pire. Elle est où ma femme? Elle est où ma femme? Où est ma femme? Je connais très très bien David, tu le sais bien, on est très très potes. Et puis nous, on s'est un peu mieux connus depuis que tu as ta maison dans le Midi, qu'on se voit un peu plus dans nos moments de villégiature, en fait. Les moments où on va pêcher des oursins quand c'est interdit, de façon à en avoir un peu plus que ceux qui vont pêcher quand ça caille. Chut. De toute façon, l'été prochain, on le passe à la prison de Draguignan, hein, tous les trois, donc. C'est du propre. Cette chanson, Eddie et Johnny, elle souligne quelque chose qui est très très rare, en fait. C'est que pour le public, pour moi, on vous perçoit comme étant des amis. Presque des frères, on vous associe. On a l'impression que vous avez une amitié qui est très 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 forte, très ancienne et très très forte et qui n'a pas eu de nuages. Est-ce que je me trompe? Ah, non, absolument pas. Je crois surtout que c'est depuis le temps qu'on se connaît, on a grandi ensemble, parce qu'on peut appeler ça comme ça. Et puis c'est vrai qu'Eddie et moi, il y a une complicité que moi j'ai personnellement en ce qui me concerne, que je n'ai pas tellement avec les autres que je fréquente. Moi, je fréquente très peu les gens du show business en général. Et c'est vrai que le seul ami qui fait partie du show business et de la chanson française, c'est Eddie. Est-ce qu'on a déjà essayé quelquefois de vous séparer, de créer des problèmes entre vous ou jamais, ou vous êtes c'est bien plus oui, fort. On a fait des enfants différemment, mais non, c'est vrai que si non. Non, au tout début, c'est au tout début, lorsque existait donc le groupe Les Chaussettes Noires et donc Johnny, bien sûr, il y avait une certaine presse. On n'a jamais été rivales, c'est ça que ouais, donc, la question non, est ça. Non. Ils étaient embêtés parce qu'on s'entend, on s'est toujours bien entendu, donc ils étaient plutôt embêtés. Si un journaliste allait voir l'un ou l'autre pour entendre du mal, il était mal tombé, quoi. Quelquefois, je vais voir des gens qui n'ont pas l'habitude du monde du spectacle et je leur dis très sincèrement que pour moi, les grands rockers, ce sont des gens exceptionnels, souvent, sur le plan de la qualité humaine. Je dis un mot qui est un peu désuet, un peu ridicule, je dis
les vrais rockers sont toujours des aristos dans l'âme, dans le cœur. Pas question de privilège, mm-hmm. question de cœur. Et c'est quelque chose que je pense énormément. La première fois que j'ai eu l'impression de ça, c'est la première fois où j'ai vu Pachou, qui est quelqu'un que j'imagine que vous aimez beaucoup. Et là, ce soir, en vous regardant, en vous écoutant, en pensant que Johnny vient pour la deuxième fois à cette émission qui est pourtant toute jeune, en voyant l'amitié qui est entre vous et cette espèce de complicité et de fraîcheur, en fait, je pense que cette définition s'applique vraiment. Vous êtes tous les deux aristos du cœur. Je le pense. Oui, bah, allez dedans. Ouais. Je vous assure, je le pense. On va se faire. Il ne faut pas oublier que c'est la soirée d'Eddy ce soir. Hein. Oui, oui, alors oui, c'est la soirée d'Eddy. Oui, moi, c'est ma bague, tiens. Oui. Voilà. Voilà. C'est Volpon. Alors, parmi les grands, quels étaient ceux qui avaient la préférence? Est-ce que c'était Gene Vincent? Est-ce que c'était Bill Haley? Est-ce que vous en aviez un que vous mettiez en tête? Pour Johnny, c'était Elvis, hein, c'était évident. Elvis et Cochrane. Cochrane, et moi, c'était Gene Vincent et Bill Haley, et pourtant, nous voilà ce soir. Mais là, justement, il y a une très belle guitare, la guitare qu'a apporté Philippe Laville. Philippe, vous pouvez me dire un mot sur cette guitare? C'est la mienne. Oui, parce que c'est un objet incroyable. C'est lourd, en plus. Ah, elle est belle. C'est une Fender Stratocaster de 62. C'est une série L. Mais il ne faut pas que je dise trop, parce qu'on va essayer de me la piquer. Et c'est une guitare que j'adore, parce qu'elle m'a été donnée d'abord par quelqu'un que j'aime beaucoup. Et en plus, ça marque un peu ces années-là, quoi, en fait. C'est le côté Shadows, déjà, là. Il manque la manette, quoi. Non, le vibrato, je l'ai laissé dans la valise, là-haut. Ah. Mais je peux aller le chercher, si tu veux. C'est un escalier, hein, c'est rien. Bah, écoute, c'est... Je marche, ça y est, je me suis habitué, j'arrive à marcher avec ça maintenant. C'est mon émission, c'est ma soirée, va me chercher le vibrato. Je vais le chercher, je sais que je suis capable d'aller le chercher, je vais le chercher. Il va rapporter le vibrato tout à l'heure. Ah, moi je suis désolé. Hein. Non, c'est plaisir. La soirée d'Eddy, hein. Tous les désirs d'Eddy sont des ordres. Hein. Une Fender sans vibrato, c'est... Frédéric, évitez de dire ça, parce que j'ai peur, si vous dites que tous les désirs d'Eddy sont des ordres, je le connais, j'ai peur de le connaître un tout petit peu plus fou, j'ai peur que ça dégénère très vite. Il va devenir très capricieux. Non, pas capricieux, franchement emmerdeur. Donc... Non. Je vais pas le chercher. Non, prends ton temps, mais vas-y. Je ferai une photo. Alors, dansez votre... qui porte, vous verrez, tous mes sentiments. J'ai mis quelques petites notations personnelles. Vous sentirez, j'espère, ma présence. Vous pouvez l'épousseter. Ce beau grimoire. C'est joli. Et puisque nous allons nous quitter, je propose à tous ceux qui ont été parmi nous ce soir de venir nous retrouver. Johnny Hallyday, Jean-Pierre Mocky, le sénateur Charras, Paul Person, Philippe Laville, les Nuls... les bénévoles des Restos du Cœur, Gérard Jourduy, le Cœur de l'Armée Française, les Blues Brothers.